ici c'est Christelle Nioul, Christelle Elka, designer tricot. Donc j'écris des patrons de tricot, j'écris des tutoriels, je donne des cours. Et aujourd'hui, et j'ai aussi un podcast qui s'appelle Ceci n'est pas un podcast, mais aujourd'hui ça ne sera pas un podcast. Je vais vous parler, je vais vous faire une petite vidéo tutoriel. Donc on va démystifier ceci. Donc, dans le dernier podcast, je vous ai montré ce patron que j'ai actuellement en test, qui est un patron en circular yoke, donc empiècement circulaire, qui est un empiècement qui est très à la mode pour le moment chez les designers, à tort ou à raison, c'est à vous de voir après cette vidéo. Donc, majoritairement, on voit un empiècement avec 2, 3, 4 couleurs et du jacquard. Un petit peu d'histoire. Alors, ce genre de tricot, ce genre d'empiècement existe depuis longtemps. Apparemment, alors je vous dis apparemment parce qu'il reste relativement, il y a relativement peu de données sur le tricot, parce que le tricot est un art qui est un art, si on pourrait dire ménager. Peut-être pas, ménager n'est peut-être pas le terme, mais on trouve moins de traces du tricot qu'on ne trouve de traces, par exemple, que de la couture, où on avait les grands couturiers qui habillaient la royauté. Le tricot, c'était plus un art qui était fait par les femmes, et plus un art qui est transmis de femme à femme. Mais malgré tout, on a retrouvé des pièces, et on peut retracer l'histoire, mais de manière moins nette, moins franche, moins documentée, on va dire, que la couture. Donc on pense que ce genre d'empiècement existe depuis très longtemps et a commencé dans le Bohusland. Le Bohusland, c'est quoi? C'est la partie côté mer du Nord de la Suède. Donc vous avez la Norvège ici au-dessus, vous avez la Suède qui descend et le Danemark avec Copenhague ici. Et la partie, le Bohusland, c'est cette zone qui est à gauche, enfin quand on regarde la Suède face à soi, c'est à gauche. Cette partie-là a développé, a été particulièrement, a changé de nationalité régulièrement, danoise, norvégienne, et ainsi de suite, a été envahie par les Vikings. Enfin, c'est une histoire, c'est une zone qui a été fortement mouvementée au niveau historique. Et il y a eu un art qui était le Bohusland, enfin, Bohus Knitting, excusez-moi les Suédois qui m'écouteraient parce que je n'ai pas l'accent suédois, mais Bohus Knitting. Donc on retrouve dans le musée du Bohusland des yokes, des empiècements avec des motifs colorés, comme celui-ci, qui serait à l'origine des empiècements colorés que l'on trouve dans les autres îles. Cet empiècement spécifique est avec des motifs spécifiques et contrairement aux autres empiècements dont je vais parler juste après, on retrouve un d'abord soit une encolure en côte, soit une encolure un peu circulaire avec soit rien du tout et c'est juste le jersey qui roulotte, soit de l'I-cord, mais surtout les motifs sont très petits et il y a de la texture. Donc c'est un jeu entre du jersey et du point mousse. Alors je peux pas vous en dire beaucoup plus parce que j'ai eu l'occasion de le voir, j'ai acheté le livre, malheureusement je n'arrive pas à le retrouver, et puis je pense qu'il faudrait que je creuse beaucoup plus au niveau historique pour pouvoir en connaître plus. Mais c'est un livre Bohus Knitting, d'ailleurs, qui est écrit en suédois et en anglais, qui a été écrit en 2015 et qu'on trouve sur internet. Donc de là, probablement avec les vikings et le cabotage le long des côtes, cette technique est remontée en Norvège, est allée sur les îles Shetland. Les îles Shetland, c'est au-dessus de l'Écosse, et a atteint l'Islande. Et donc, dans les îles Shetland, on retrouve, et dans les îles Féroé, on retrouve cet empiècement circulaire avec des très petits motifs de 3-4 mailles, très spécifiques, parce que le ferraille est une technique très spécifique. C'est pas du jacquard classique avec des grands motifs tels qu'on peut le voir. Donc, cette technique a atteint les îles Féroé et ils ont développé leur propre art. Alors je n'en connais pas beaucoup plus non plus. Sur les îles Shetland, il faudrait que j'aille voir un peu et me renseigner plus pour le sujet. Et puis ça a atteint l'Islande. Et l'Islande, on a ce qu'on appelle l'Opapesa. Donc d'abord les îles Shetland. Alors, je suppose que vous connaissez tous Kate Davis.
Kate Davis, qui est une ancienne universitaire qui a fait un AVC et qui a développé pas mal enfin, qui a développé l'histoire du tricot, qui a remis en avant, rafraîchi, on va dire, un peu le tricot des îles Shetland. Et notamment, on a cette pièce-là, qui est le Puffin Sweater. Donc avec un empiècement circulaire. Alors je vous parlerai un peu de la distribution des augmentations par la suite, parce que c'est pas un empiècement circulaire classique. Le puffin sweater, puffin ça veut dire macareux en anglais, et qui est en forme de chevron. Alors on n'a pas que ça, on a des tout petits motifs, mais je n'en ai pas ici. On a ce genre de petits motifs sur les îles Shetland, dans les îles Shetland, que vous voyez ici. Ici c'est un bonnet. Et puis on a l'Opapesa, qui sont des pulls qui sont portés depuis très longtemps en Islande, où certains motifs reviennent de manière régulière. Donc quand on va en Islande et qu'on va dans les supermarchés, on constate qu'on a X Ridari par exemple, ou X Fugle par exemple. Alors si Christine de Triscope m'écoute, elle va m'assassiner au niveau de la prononciation, mais vous retrouvez ces motifs-là régulièrement. Et notamment, on a un appui de ce style-là. Donc ici, ce n'est pas un motif traditionnel, mais c'est un magazine qui est publié par Lopi, qui est une firme de laine islandaise qui vend de la Lopi et de la fausse Lopi, qui est la laine islandaise issue des moutons d'Islande. Donc voilà un peu pour l'histoire de l'empiècement circulaire. Donc il n'y a pas que, en effet, les motifs en jacquard. Donc vous allez retrouver les motifs en jacquard que vous voyez ici maintenant, mais vous avez aussi d'autres motifs. Vous pouvez très bien sortir de votre zone de confort comme la fois dernière, comme je vous l'ai dit, et décider de faire un empiècement circulaire qui n'est pas un motif en jacquard. Par exemple, celui-ci, c'est un pull que j'ai fait l'année dernière, qui est un pull qui mélange et laine tweedée et mohair. Et c'est un empiècement circulaire. Vous avez celui-ci, qui est un mélange de Blueface Leicester et soie. Et ça, c'est un empiècement circulaire, mais les augmentations ne sont pas distribuées de la même manière. Alors, parlons construction maintenant. Le circular yoke, donc l'empiècement circulaire, n'est qu'une construction parmi les autres. Il y a le raglan, le satin sleeve, le contiguous, enfin, les pulls tricotés d'une manche à l'autre, les drop shoulders. On a une multitude de constructions au niveau des pulls, des cardigans, qui sont adaptés plus ou moins en fonction de notre morphologie. Donc, comment est construit le pull en empiècement circulaire? En fait, c'est un entonnoir. On peut le. Donc, pour être plus correct, je vais dire qu'on peut le construire de deux manières. Soit commençant par le cou et terminant par les hanches, soit en commençant par les hanches et en terminant par le cou. Alors, il se construit comment? Ben, vous avez un entonnoir entre le cou et l'emmanchure, donc avec un élargissement. On a un cylindre en dessous des bras et les hanches. Et vous avez deux entonnoirs pour les manches, deux entonnoirs avec une circonférence plus ou moins élevée en fonction du tour de bras, pour faire les manches. Donc ça se construit simplement comme ça. Ça se tricote en une seule pièce. Quand on tricote du haut vers le bas, on distribue des augmentations pour passer de X centimètres en fonction. Il y a un calcul mathématique pour faire l'encolure et en fonction de la largeur d'encolure que l'on veut, au nombre de mailles dont on a besoin pour faire ici avant de séparer le corps avant de séparer le corps des manches. Et quand il s'agit de patrons qui se tricotent bottom-up, donc du bas vers le haut, on tricote d'abord le tube, on tricote une manche, on tricote l'autre manche, on met tout sur la même aiguille en laissant des mailles en attente ici en dessous des bras, et puis on travaille en diminution dans les motifs pour arriver à l'encolure. Donc voilà en gros comment est construit un pull en empiècement circulaire. Le gros inconvénient
notamment au niveau de la construction, c'est que si on se contente de distribuer les augmentations telles qu'elles sont, donc en commençant par 40 cm par exemple, et on doit avoir 120 cm ici, c'est qu'on va avoir la même hauteur d'encolure dans le dos que devant. Donc on se retrouve avec des encolures très évasées dans le dos, et très évasées devant, ou trop serrées devant et trop serrées derrière. Donc il y a moyen de jouer avec ça, et d'ajouter des rangs raccourcis, en commençant par le dos, en travaillant des rangs raccourcis du dos vers l'avant. Ça vous donne plus de profondeur au niveau du dos, tandis qu'à l'avant, on a une encolure qui se forme. Et on peut aussi ajouter des rangs raccourcis juste après avoir séparé les manches ou juste avant d'avoir séparé les manches du corps pour pouvoir encore donner de la profondeur. Alors voilà pour les empiècements circulaires. Les empiècements circulaires ont un énorme avantage, c'est que ils sont simples. Ils sont simples, vous n'avez pas besoin de compter tous les rangs, et encore ça dépendra, parce que ça je vais vous dire qu'il y a différentes façons de distribuer les augmentations ou les diminutions. Donc ils sont simples dans le sens où vous commencez par un rond et vous terminez par un rond, et puis vous mettez en attente vos manches et vous continuez en rond. Les augmentations peuvent être variées et on peut utiliser des décorations, des augmentations décoratives, et ça vous permet de faire des motifs très jolis où on attire l'attention sur le dessus du corps. Un des inconvénients des empiècements circulaires, et voilà pourquoi personnellement je trouve que ça ne va pas à tout le monde, et c'est pour ça que moi j'évite en général de proposer des empiècements circulaires pour les grandes tailles, sauf si le motif est relativement discret, c'est que vous attirez l'attention sur le dessus du corps. Donc, on ne sait peut-être pas qu'on a énormément de poitrine, c'est peut-être pas justement ce qui est le plus joli. C'est un inconvénient si on a des épaules un peu fuyantes. Donc, si vous avez des épaules qui sont droites ou si vous avez des épaules légèrement inclinées, ça va. Par contre, si vous avez les épaules qui tombent, vous avez un manque de structure au niveau du corps et vous avez l'impression que ça fuit. C'est moins joli, vous avez... Enfin, il faut une certaine carrure pour porter ce genre de pull, ou pas trop de carrure, mais pas trop peu, en gros. Un autre inconvénient certain, c'est que contrairement au raglan, contrairement au ce qu'on appelle le satin sleeve, donc les manches montées, vous n'avez pas de structure, vous n'avez pas de différence entre le corps et les manches, donc vous n'avez pas de quelque chose qui définit vos manches et votre corps, et donc vous n'avez pas de structure, donc vous avez quelque chose de beaucoup moins consistant, donc qui va plus se laisser aller. Donc tout de suite quand on a une certaine masse, on a quelque chose qui va être tendance à avoir une encolure qui s'élargit très fort, et donc quelque chose de moins joli. On peut lutter contre ça en utilisant une laine adéquate. Donc si vous voulez savoir pour les laines, je vous dis qu'il y a une vidéo sur les laines ici que je vous mets ici en dessous, mais l'utilisation des laines est importante quand on veut faire un empiècement circulaire. Ou, si on ne veut pas utiliser de la laine, utiliser des points texturés pour donner une certaine structure au corps. Le jersey va plus vite se laisser aller, c'est encore pire avec le point mousse. Par contre, si on joue avec des torsades, si on joue avec des diminutions ou des augmentations, ça va être tout de suite beaucoup plus... Ça va avoir une plus de tenue. Un des autres inconvénients aussi, c'est qu'une fois qu'on a séparé les manches et le corps, c'est qu'on n'a pas non plus de couture au niveau de la taille, et ça peut tourner, idem pour les manches, mais ça c'est valable pour toutes les constructions sans couture. Si vous n'avez pas quelque chose qui définit l'intérieur de la manche ou qui définit ici le côté, vous avez un pull qui tourne, des manches qui tournent. Donc c'est pour ça que par exemple moi dans mes patrons, j'ajoute une fausse couture. Ça dépendra quel est le motif, si c'est loose, si c'est pas loose, mais sur certains de mes patrons, j'ajoute une fausse couture. Je pense avoir fait le tour, je vérifie quand même dans mes notes si j'ai pas oublié quelque chose. Ah oui, c'est, comment dire, un désavantage de l'empiècement circulaire, c'est que quand vous arrivez à la hauteur d'emmanchure, tout le monde n'a pas les mêmes bras, et bien vous pouvez vous arrêter et décider de séparer le corps des manches. C'est plus difficile, attention, quand c'est un empiècement en jacquard, parce que vous allez vous retrouver que vous allez le motif, alors il faut s'arranger, réfléchir, dire j'enlève tel rang pour pouvoir adapter
le motif à votre morphologie. Donc voilà pour les empiècements circulaires. Que dire d'autre sur les empiècements circulaires? Donc j'ai dit, il y a celui que je vous ai montré qui est en jacquard. Majoritairement, ce qu'il se passe, c'est qu'on fait comme les picholes d'Elisabeth Zimmermann. Donc le pichol, c'est quoi? C'est on commence avec un certain nombre de mailles et on augmente en utilisant pi pour pouvoir avoir quelque chose qui s'élargit de plus en plus de manière régulière. Donc on va faire la même chose au niveau des empiècements circulaires, c'est-à-dire qu'on va monter x mailles ici et on va augmenter ensuite, en respectant un certain nombre de rangs, on va dire je fais une maille en droit, une augmentation, une maille en droit, une augmentation, etc. etc. Puis on fait x rangs, on fait deux augmentations, une maille, deux mailles en droit ou deux mailles en vert, peu importe, une augmentation, etc. etc. Et donc on va avoir des cercles je ne sais plus le mot, c'est pas grave. Donc on va pas avoir des cercles une fois un cercle, un deuxième cercle et un troisième cercle. Concentrique. Concentrique, oui. Donc concentrique, c'est dans l'autre sens. L'inverse de concentrique. Voilà. Bref, vous avez des cercles qui vous permettent de pouvoir augmenter, d'avoir qu'un seul rang où vous augmentez, et puis vous faites votre motif et vous n'avez pas à adapter un motif particulier pour pouvoir faire votre design. Donc ça, c'est une des manières de faire. Maintenant, il n'y a pas que cette manière de faire. Il y a aussi l'utilisation de ces cercles qui sont très rapprochés entre le cou et la clavicule. Donc on va avoir 2-3 rangs d'augmentation très rapide, puis on va avoir un motif, et puis on va encore augmenter. C'est la technique que moi j'ai utilisée sur celui-ci. Si vous faites attention, vous verrez que j'ai fait des augmentations très rapprochées ici pour caser le motif, et puis j'augmente après ici sur le motif. C'est une des variantes du premier empiècement circulaire. Et puis vous avez une autre façon de faire un empiècement circulaire, c'est que vous augmentez tous les X rangs. Donc ici par exemple, dans ce motif-ci, en fait le motif, si vous faites attention, le motif commence ici et s'évase. Donc je vais augmenter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 fois tous les 4 rangs. Donc vous aurez, en fonction du motif, si j'ai bon souvenir, celui-ci il en a 8, vous avez 16 augmentations tous les 4 rangs. Plutôt que d'avoir sur un raglan 8 augmentations tous les 2 rangs, vous en avez 16 ou 4 augmentations, oui, 8 augmentations, je dis bien correctement, tous les 2 rangs, vous en avez 16 tous les 4 rangs. Donc ça vous permet d'avoir une circonférence qui s'élargit tout en ayant des augmentations qui se répartissent de manière beaucoup plus harmonieuse. Vous avez ça ici aussi dans le motif, dans le pull que je vous ai montré, Puffin Sweater, ici, celui-ci. Donc celui-ci, en fait, regardez, je vous montre le motif. Alors, voilà, vous voyez, le motif s'augmente, enfin ici, il diminue parce que c'est un bottom-up, diminue au fur et à mesure pour faire un entonnoir. Donc voilà la distribution des augmentations. Alors si vous voulez en savoir un peu plus sur comment designer un pull en empiècement circulaire, il existe un livre qui a été publié par Interweave il y a un an ou deux ans, non un an, je pense que ça fait un an, c'est Art of Circular Yoke. Je vais vous le mettre ici en dessous et vous voyez la photo ici. Et là, vous avez des empiècements en jacquard, vous avez des empiècements en texture, vous avez des empiècements du haut vers le bas, vous avez des pulls construits du haut vers le bas ou du bas vers le haut. Donc voilà en gros pour les pulls en empiècement circulaire. Et parce que j'ai parlé de sortir de votre zone de confort, je vous montre quelques exemples. Alors, pour les femmes, plutôt que de toujours être sur les mêmes designers, vous avez dans le livre Art of Circular Yoke qui coûte 10 $, je crois, 10 ou 12 $ en Kindle sur Amazon, vous avez l'heure verte.
leur verte qui a un empiècement. Alors je regarde, je suis désolée, je ne regarde plus vraiment la caméra parce que je dois regarder mon écran, qui a un empiècement en texture qui va du haut vers le bas et le motif s'élargit. Je le trouve très 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 joli ce pull. Et alors c'est une coupe en A, donc le bas. Si j'ai bien regardé le patron, en fait, on travaille avec des rangs raccourcis et le pull s'élargit vers le bas. Donc, ça peut être sympa pour quelqu'un qui n'aime pas un shaping au niveau de la taille ou qui a un tour de hanche beaucoup plus large que le tour de poitrine. Donc, ça, l'or verte de Jennifer Dassault, ici. Vous avez aussi, pour les femmes, j'ai sélectionné quelques patrons. Évidemment, c'est... multiples et variés, hein. Vous avez, c'est un designer connu, tout le monde connaît Brooklyn Tweed, tout le monde connaît Jared Flood, mais j'aime bien celui-ci parce que il attire l'attention sur le fait que tous les circulaires yoke, tous les empiècements circulaires ne sont pas que du jacquard. C'est Forbes de Jared Flood, qui est en fait un pull tricoté avec du point mousse, et on a un motif, on alterne entre jersey et point mousse, ce qui donne un effet très, très structuré de chevrons, de carrés, de triangles, et je trouve, le trouve vraiment très très joli, très harmonieux. Et celui-ci, c'est un bottom-up. Et il est fait avec un worsted, donc avec des aiguilles 4,5, je pense, donc 5 et 4, ça va relativement rapidement. Et il est fait avec de la ranch. Alors la ranch, c'est quoi? C'est de la laine que produit Brooklyn Tweed, qui est de la laine locale, issue d'une seule ferme. Donc ce sont des batchs relativement... limité en quantité parce que c'est une seule ferme de moutons, donc on ne sait pas faire une production comme la Shelter ou la Loft. Donc voilà pour le Forbes, par exemple. Alors, un autre que je trouve très joli, qui lui est un t-shirt, c'est un t-shirt de Janice Hope. Janice Hope, elle fait particulièrement beaucoup de patrons en jacquard très fins. Notamment, moi j'ai fait l'Elephant Call, si vous avez l'occasion, je vous mets ici en dessous le lien. C'est un motif très très joli d'un col avec des éléphants, mais le Janice Hope ici, c'est, vous avez tout un empiècement en dentelle avec des bubbles et une encolure assez évasée et des petites manches. Et ça fait un motif de fleurs. Et celui-ci, si je ne me trompe pas, c'est un bottom-up. Si j'ai bon souvenir, je vérifie quand même. Parce qu'elle a, elle fait et bottom-up et top-down, ça dépend des patrons. Donc je sais que dans le Art of Circular Yoke, elle a fait un patron aussi. Alors que je ne me trompe pas. Oui, c'est un bottom-up. Celui-ci est un bottom-up. Donc c'est Bloom Sweater. Donc celui-ci. Donc voilà trois patrons pour sortir de votre zone de confort qui sont des patrons que vous trouverez sur Ravelry qui ne sont pas de toujours les mêmes et qui sont bien taillés. Surtout parce que un des gros inconvénients de certains designers et de certains patrons en empiècement circulaire, c'est que l'emmanchure descend beaucoup trop bas et donc ça vous gêne ici, c'est très 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 laid. Surtout, plus on monte dans les tailles, plus la hauteur d'emmanchure est profonde et plus c'est laid et plus ça vous empêche parce que quand vous faites ça, bien, votre pull remonte parce qu'il n'est pas adapté à votre emmanchure. Vous voyez, moi j'ai une grande taille mais mon emmanchure elle se trouve pas à 30 cm du dessus de mon épaule, elle se trouve à une vingtaine de centimètres. Voilà, parce que contrairement à ce qu'on peut croire, c'est pas proportionnel, l'emmanchure n'est pas proportionnelle en fonction de votre tour de poitrine, donc on ne peut pas calculer une emmanchure en fonction de votre tour de poitrine. L'emmanchure, elle ne se creuse pas énormément, beaucoup plus, parce que vous faites un taille 54 que quand vous faites un taille 34. Ça dépend d'autre chose, ça dépend de votre grandeur, votre taille, votre tour de poitrine, ça dépend de votre largeur de bras, et ainsi de suite. Donc bref, voilà, c'est un sujet à part entière, donc voilà, je ne vais pas en parler plus, mais c'est un des regrets que je trouve, une des choses que je trouve malheureuses dans les circular yokes, c'est que les emmanchures sont souvent très mal adaptées. Donc voilà pour celui-ci. Alors un autre qui est très joli, qui est d'une designer française, qui est un empiècement bicolore, mais c'est pas du jacquard, c'est du brioche, c'est de Knit with Chocolate, qui est Enchant Forest Jumper. Donc tout le dessus, c'est un empiècement en brioche, et puis elle sépare le corps et les manches, et c'est un peu
un mix entre le poncho, si vous voulez. Donc l'empiècement va être très profond, l'emmanchure va être très profonde avec des manches serrées. Et on peut l'allonger si on veut. Donc c'est un boxy d'une certaine manière, si vous voyez le boxy de Rory Locatelli, en empiècement circulaire. Mais je le trouve très 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 joli. Donc voilà pour les femmes, pour les hommes, pour ne pas être en reste, même si je trouve que, à part les l'opapesa, personnellement, je ne trouve pas ça très joli, les empiècements circulaires chez les hommes. Je préfère une manche bien construite que les empiècements circulaires. Et vous avez un patron qui est hyper connu, qui est un patron qui est un des premiers que Jared Flott a fait, qui est Cobblestone. Et là, en fait, on commence par le bas et on termine par le haut, et l'empiècement circulaire est fait au point mousse. Alors je le trouve très joli, mais je pense qu'il ne convient vraiment qu'aux gens qui sont minces. Dès qu'on prend un peu de poids, tout de suite c'est un peu moins joli, parce que c'est du point mousse au-dessus, donc ça se laisse aller. Chez les hommes, c'est moins joli, je trouve. Et je pense qu'il faut vraiment réfléchir à la laine qu'on utilise, parce que le point mousse en empiècement au-dessus, sur des grandes tailles, si vous utilisez un mérinos super wash, vous allez vous retrouver, ça ne va pas être spécialement gay, vous allez être déçu du résultat. Et un patron qui est sorti il y a quelques jours, que j'ai vu en passant en faisant des recherches de patrons, c'est Alato Pullover. Alors c'est un patron qui est unisexe et qui est un patron de texture. Ce ne sont pas des torsades, si je vois bien, ce ne sont pas des torsades, ce sont des mailles glissées, si je pense. Ou peut-être des torsades, mais à une maille. Et je le trouve vraiment joli parce que la torsade s'élargit. Alors, je sais, est-ce que c'est un bottom-up? Je réfléchis. Non, c'est un top-down. Donc, le motif s'élargit du haut vers le bas, sur tout le corps. Et je trouve que la texture n'est pas trop dominante, trop imposante. Et c'est vraiment... Le résultat est vraiment très, 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 très joli. Personnellement, je l'aime beaucoup et je trouve que pour un homme, c'est vraiment très, très sympa. Avec une jolie encolure, avec un motif vraiment très joli, avec des côtes torses. Moi, j'adore les côtes torses. Voilà, j'ai eu un coup de cœur quand j'ai vu ce patron. Et alors, c'est Einur Berkimbayava. Pardon, je ne sais même pas d'où elle vient. Attendez, je regarde. Elle vient de... Je ne sais pas, c'est pas noté. Mais voilà, je trouve que c'est un... Eh bien, elle vient des États-Unis, voilà. Mais je trouve que le résultat est vraiment très, très chouette. Et alors, pour les enfants, parce que s'il y a un motif qui est vraiment très sympa à faire et qui ne pose pas de problème parce que les enfants n'ont pas de poitrine, eh bien, ce sont les... Vous pouvez jouer chez les enfants avec des empiècements circulaires, mais un que j'ai tricoté, moi, pendant l'été, que je trouve vraiment très sympa, qui est un empiècement en point mousse, c'est le Sweet Moshi de Lisa Chimeri, donc Froginette, où vous avez justement un empiècement en point mousse qui se termine par un raglan. Donc, vous allez monter d'un certain nombre de mailles, et puis vous allez faire ici, rediviser vos mailles pour terminer par un raglan. Donc, on augmente deux mailles sur les manches, une là, une maille ici, et idem de l'autre côté. Et puis, vous avez des petites manches froufrou. On augmente pour faire des petites manches froufrou, et on termine par un picot, et c'est une petite robe qui est vraiment très très jolie. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop brouillon pour cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à appuyer sur le petit pouce ou à souscrire à la vidéo ou à ma chaîne YouTube. Et ce sera à la prochaine fois.